Bonjour à tous, bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui, Civic EJ2 préparé et surtout un coup de cœur pour ma part, surtout le VTEC et la config, vous allez le voir juste après. Je vous laisse avec la présentation de la voiture, avec le propriétaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre petit like et profitez bien. Bonjour, je m'appelle David et puis je suis le propriétaire du coup de la voiture juste ici. Donc c'est une Honda Civic J2 comme il l'a dit juste avant et c'est plus trop d'origine quoi. Ouais, on va le voir, elle est plus trop d'origine. Aujourd'hui on a affaire en plus à une super voilà, on peut dire que c'est clairement fait pour toguer quoi. Je la prépare un peu pour plus, je dirais plus pour de la piste. Ouais, plus la piste. Et puis l'espèce d'esprit de mon projet c'est d'en faire un Kanjo. Après voilà, on n'est déjà pas au Japon, j'ai jamais vu de Kanjo sur une coupée. Ouais. Donc parce que c'est pas une hatch, c'est une coupée. Ouais. Donc j'essaie de m'y retrouver un peu quoi, de faire un peu ce qui me plaît dessus et puis de me rapprocher un petit peu de cet objectif là quoi. D'accord. Bon, on va faire le tour de la voiture déjà. On va commencer par l'avant. Je pense que déjà moi je vois une écriture Moroso. Ouais, ça c'est le nom de notre groupe avec des potes. Ouais. On a créé un petit groupe qui s'appelle Speedyokai. Ouais. Et on est sur Lyon de façon. Et puis je vais te poser quelques questions parce que moi c'est la première Honda de la chaîne, première Civic. Et donc, capot carbone, pas d'origine. Est-ce que c'est la même voilà. Forme que d'origine, mais c'est voilà. Juste qu'il est en carbone. Quoi. Il est au carbone. Il n'y a pas de carbone ou covering. Non, c'est du vrai carbone. D'accord. Ok. Et la lame, c'est donc ça vient de. C'est une lame de merde. D'accord. Ouais. C'est un accessoire. Pardon pour les non, t'inquiète. Mais non, c'est une lame. Enfin, elle est juste là. En fait, quand j'ai acheté la voiture, enfin, ma première des deux voitures. Elle avait la lame dessus et puis quand je l'ai pété une fois j'ai racheté la même parce que j'avais pas envie de me faire chier à racheter une autre, tout j'aimais bien mais c'est pas du tout la lame elle est pas c'est pas recherché quoi. Ouais, c'est ouais. Elle est juste là pour mais elle fait le taf et... en vrai ça va, ça fait ressortir déjà les autres détails un peu sombres ou noirs comme la. Oui et puis ça rabaisse un peu la caisse quoi. Ouais, j'ai pas encore travaillé le pare-choc ou la lame. Donc, ouais. Puis c'est vrai qu'elle est vachement basse. Là vous la voyez mieux un petit peu dans un angle un peu plus sympa. Oui, oui. C'est pour vous donner un ordre d'idée, elle est bien basse, bien voilà, surtout au niveau du train avant, on voit que ça passe ric-rac entre guillemets quoi. Et puis au niveau des optiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou bien c'est pas les optiques d'origine, ceux-là c'est des phares à fond noir un peu ouais. Classique hein. J'aime bien les clignotants orange, moi j'ai les clignotants ouais, ils sont je sais plus si d'origine, ils sont vraiment orange. Je sais que moi à la base quand je l'ai acheté, j'avais des clignotants de la même couleur mais un peu plus clair. D'accord. Ouais. Après ceux-là ils étaient vendus avec les phares mais je vais les remettre les plus clairs plus tard. D'accord. Parce ouais. Que celui-là c'est des clignotants en LED, ils sont pas ça va pas trop avec le style de la caisse je trouve. Ouais. T'as plein de petits points LED qui s'allument dedans. Ah, oui d'accord, ouais, je le vois. Ouais. Et puis là donc le sticker Speedyokai. Donc comme tu l'as dit juste avant, votre team. Ouais c'est un groupe qu'on a créé avec des potes. Voilà. Le bandeau de pare-brise. Et les jantes, donc peut-être tu vas pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus. Alors les jantes, les jantes c'est des Advan RGD2. Ouais. Je les ai pris pour faire passer le plus gros freinage possible. Alors pour le moment j'ai pas changé le freinage. C'est ouais. Toujours c'est pas le freinage d'origine, mais c'est pas un freinage aussi gros que je voudrais. Et tu l'as déjà amélioré quand même. Là c'est un freinage de VTI, c'est du 2,44 mm à l'avant d'origine et là maintenant c'est du 2,62, donc c'est des okay. Trains avant de enfin des fusées de K4 en fait. Ok d'accord. Pour les pneus là je suis pas sur du Havdal, ouais. C'est des Nankang NS2R. J'étais pas un spécifique ouais. Avant donc pour commencer je connaissais des gens qui en avaient et qui disaient pas forcément du mal de ces pneus donc j'ai essayé. D'accord. Je voulais essayer avec ça. Quoi. Pour la carrosserie, un constructeur avait sorti une voiture, tu sais, où tu pouvais facilement changer de couleur. Il faut que vous le disiez en commentaire, ceux qui regardent la vidéo. Parce que, franchement, je crois que Villebrequin en avait parlé. Je crois que Villebrequin avait parlé de ça. Et en gros, du coup, tu peux aussi, toi, changer de couleur, entre guillemets. T'as deux configs pour l'instant, c'est ça? Oui, enfin, après, l'autre, c'était plus un test là, que j'ai fait récemment, où je l'avais remis tout en blanche. Ouais. Pour essayer des. Bah, justement, vu que, comme tu disais tout à l'heure, je l'avais rabaissé vraiment beaucoup, c'était vraiment pour rabaisser le centre de gravité et être plus stable. Enfin, je cherchais un peu un truc dans ce style-là. Ok. Vu que, en vrai, on peut penser que c'est plus une prépa pour le toguer, mais je fais pas. Oui. Enfin, j'en fais, mais. Je m'identifie pas vraiment à ça, tu vois. D'accord, parce que je l'ai dit en début de vidéo, mais c'était juste moi, ouais, l'impression que j'avais, tu vois. Mais c'est pas plus mal que tu.
Je la prépare plus pour la piste, celle-là. En fait, ça se voit plus à l'arrière, en fait, je pense. Oui et non. Enfin, t'as plus la sensation piste, tu sais, avec cet aspect un peu plus brutal. L'avant est plus, on va dire... Oui, bah, l'avant, il est à peu près d'origine. Plus commun, en fait, voilà. C'est ça. Pièces, c'est à peu près d'origine. Après, oui, ce que je cherche, c'est vraiment plus la piste. Oui. Comme je l'ai dit aussi, me rapprocher d'un Kanjo, même si voilà, je suis à des milliers de kilomètres de l'origine de ça. Mais, et voilà. Donc, tu voulais tester une autre config, c'est ça? Ouais, je voulais tester une autre config pour pouvoir rabaisser peut-être un peu plus, par exemple en élargissant les ailes à l'avant. Ouais. Donc, j'avais découpé à peu près par là et j'ai fait. J'ai rentré l'aile à l'intérieur, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un fender cut, mais en gros, juste. J'ai mis des cales ici là à peu près pour la sortir, la faire sortir un petit peu. Donc, ouais, je vois. Vu qu'il me manquait pas beaucoup, parce que là je touche un petit peu, si je prends vraiment, si je braque à fond et que je prends vraiment un gros appui sur une des deux roues, ouais, je vois, là c'est je frôle, en fait c'est trop proche, je frôle. Donc je touche pas, ça me ralentit pas, mais j'entends un petit bruit, donc je pense que je touche quand même légèrement. Et le fait que je voulais élargir un petit peu pour que ça passe tranquillement. Et le fait que le capot soit pas complètement fermé, c'est genre ça, c'est juste des cales qu'il y a là. D'accord, en fait c'est normal. Logiquement, c'est pour faire sortir l'air chaud, entre guillemets, mais bon, il faudrait vraiment un vrai capot ventilé pour que ça marche vraiment. D'accord, ok. Ça marche un petit peu de ce que j'ai vu. Mais... Le petit aileron, du coup, qui sort quoi d'un shop de pièces Alors, celui-là, il y a un petit moment aussi, je l'ai pris sur AKR. Normalement, il est à peu près dans la même forme que les Mugen, mais c'est une réplique. Ok. Mais elle est en carbone. Ouais, donc là, on le voit, l'aileron carbone qui est. Bah, ça donne un petit style quand même à la voiture. Ensuite, bah sur l'arrière, vous voyez, là c'est là qu'on constate, c'est vraiment beaucoup plus racing, plus brutal quoi. Avec le VTEC, donc on associe le son forcément, et là je crois que on va bien en profiter, j'imagine. T'as changé la ligne du coup? La ligne, c'est un full tube. Ouais. Bah après, pour passer sur les circuits, normalement c'est limité à 95 décibels. Ah oui, ça va. Mais bon, histoire d'être clean, je vais sûrement réadapter la ligne pour qu'elle passe pile quoi. D'accord, ouais. Là, j'en sais rien, en vrai. J'en sais rien de combien je suis. Et je passe tout pile, mais j'en sais rien. Petite question bête, les ouvertures, c'est. Donc, moi, je te posais le pare-choc. Oui, voilà, c'est ça. Bah, le pare-choc, alors. J'ai toujours. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait ça sur des Civic. Ouais. Au début, bah, il y a longtemps, je me posais la question de savoir pourquoi. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans. Et du coup, j'ai dû passer mes pièces en carrosserie et j'avais enlevé mon pare-choc. Et en vrai, je sentais quand même une légère différence. Genre, le pare-choc d'origine, tu vois, là derrière, t'as rien. Ouais, et en fait, le pare-choc d'origine, il redescend comme ça et il revient ici. Ouais. Et en vrai, il fait un petit peu effet parachute. Alors, pas beaucoup, ouais. Je pense. Tu vois, tu gagnes pas grand chose. Et puis à la base, j'ai fait ça aussi pour le côté stylé, hein, ouais. Pas se mentir. Hein. La peinture, en gros, pour la petite histoire déjà, pour les couleurs, histoire de rien de souci, elle est blanche et rouge. Ouais. Puisqu'à l'époque, j'en avais une rouge. Donc, je l'avais acheté, c'était ma première caisse. Hein. Ouais. Quand j'ai eu le permis, c'était ma première caisse, c'était une J2 comme ça. Donc, tout d'origine, elle était nickel. Tout ce qu'elle avait, c'était des combinés et des jantes. Mm-hmm. Et en fait, plus tard, à peu près un an et demi après, et bah, j'ai eu un accident. Ouais. Donc, j'ai fait une sortie de route et je l'ai enroulé dans un arbre. Oui. Donc, du coup, bah, j'étais triste, tu vois. Ouais. J'avais pété ma caisse et tout. Et à ce moment-là, j'ai failli genre tout laisser tomber, tu vois. Mm-hmm. Mais au final, j'en ai racheté une autre, j'en ai trouvé une, bah, celle-là en fait. J'ai trouvé celle-là qui était à vendre dans un sale état, tu vois. Genre, ouais. Le moteur, il était pété. S'il y avait pas grand chose qui allait, mais du coup je l'ai récupéré et puis j'ai refait du coup la blanche qui est là, avec d'abord les pièces d'origine de la rouge qui elle était en état nickel puisque elle était clinique, ce caisse genre vraiment était incroyable. Et, et on voit les différences entre les carrosseries de la blanche et la rouge. Oui, je vois que la rouge c'est une vraie peinture carrosserie, alors que la blanche, bon, ça se voit pas trop à la vidéo, je pense pas que ça se verra trop, mais c'est une Montana, donc t'as un petit peu d'orange. Ouais. Mais celle-là c'est une vraie peinture. Mais c'est pour ça du coup le mélange de couleurs à l'origine, c'est pour ça. Il y en a plein qui pensent que j'ai fait exprès, mais ça n'a rien à voir. Bah, en fait, du coup, ça donne un. Moi, je trouve que c'est stylé. T'as vraiment cet aspect rouge et blanc. Ouais. Bon, c'est. Bah, c'est sympa finalement. C'est les goûts et les couleurs, mais moi j'aime bien. Bon. Donc. Et bah, si tu es parti en voyage, il y a un super grand coffre, c'est génial. Ouais, ouais, bah après, voilà. Là, non, mais. Enfin, ouais. C'est pité de toute façon. C'est pité. Il n'y a plus. Il n'y a rien à dire en fait. C'est plus une caisse qui est confortable de toute façon. Non, non. Après, quand tu rentres. Non, non, mais. Je rigolais, mais ouais, voilà, en gros, tout est vidé, donc on va passer à l'avant. Là, tu vois, là, par exemple, ça, c'est la vieille couleur de l'ancienne caisse quand je l'ai récupérée. Ah, ouais. Toujours pas repeint, je vais repeindre en noir. Pour oui, du coup, je vais t'étonner, je vais dire, il y a trois couleurs. Ouais, non, non, c'est moche. Genre, il y avait plein de pièces comme ça qui étaient repeintes en bleu bizarre. D'accord. La même hauteur aussi, c'était dégueulasse. Du coup, ça, vu que ça se voyait moins, je me suis dit, bon, ça peut attendre un peu. Après, au niveau du reste de l'intérieur, c'est porte normal, quoi. J'ai gardé les panneaux de porte parce que je les aimais bien. Ouais. Et puis, à l'époque, j'avais récupéré de l'alu pour faire
des panneaux lisses, mais je l'ai toujours pas fait parce que j'étais occupé à faire d'autres trucs dessus. Ouais. Après, puis, on a après les compteurs blancs là, typiques. Alors le compteur blanc, c'est pas, je sais pas d'où est-ce qu'il vient. Ouais. Je l'ai eu dans la caisse en fait quand je l'ai récupéré. Parce que pour moi, ça me rappelle les Tipper, mais du coup, je sais pas. Bah en fait, c'est moi, c'est, je trouve qu'il ressemble au vrai compteur 2G6 du Japon. Ils sont blancs et siglés jusqu'à 180. Du coup, là, c'est pas le cas. Ouais. Donc, c'est pas un vrai Tipper, mais je sais pas d'où est-ce qu'il vient en fait. D'accord. Ok. Ensuite, on a le donc l'extincteur et le baquet. Bah c'est notre ami en Sky derrière qui me l'a donné. D'accord. Ouais. Il en avait un qui traînait, il me l'a filé, il me dit tiens si jamais. Et donc là, t'as les. Et là, sur le siège passager, j'ai toujours le siège d'origine et le conducteur, c'est un Sparco. Ouais. Je vais lui montrer un peu plus. Par là, donc voilà le beau Sparco avec le siège d'origine juste à côté. Ouais, j'ai pas encore mis de siège ouais. Baquet donc bientôt. Et puis bah sinon l'intérieur le volant tu peux le retirer, c'est ça? Le volant je peux le retirer. Ouais. Bah, j'avais fait ça sur mon ancienne caisse à l'époque où je découvrais l'automobile. Ouais. Donc où je voulais tous les trucs d'influenceurs, tu vois, tous les gadgets. Oui, non mais clairement hein. Donc du coup je l'avais pris juste pour le délire. Oh, c'est marrant parce que j'ai commencé là où j'ai commencé comme tout le monde hein. Ouais. Après donc le pommeau de vitesse, le pommeau de vitesse, c'est un mec qui fait des pommeaux personnalisé, ouais, et puis ouais. J'en avais acheté un. Et puis les petits switches. Alors, ça, c'est pour le ventilateur. Ouais. Et ça, c'est pour des LED que j'avais, mais que je me sers plus du tout. Donc, ils sont plus là, quoi. Et ouais. Sinon, c'est tout. Bah, il y a les manos au milieu. Ah oui, et puis, on vous a pas montré, mais c'est tout. Donc, les manos sur console centrale. J'ai la pression d'huile, la température d'huile et la température d'eau. Ok. Donc, nous voici devant. Le 1.6 VTEC, tu vas nous parler un petit peu justement du fait que bah voilà, c'est pas son moteur d'origine, t'as des specs, etc. Donc c'est le moment. Pour le moteur, c'est un B16A2 du coup, qui lui par contre est d'origine. Mm-hmm. Donc il sort 160 chevaux normalement d'origine. Je l'ai pas encore vraiment testé, je l'ai pas passé au banc. Et donc moteur stock. Donc les internes sont stock, mais tout ce qui est autour n'est pas spécialement stock. Donc bah, déjà t'as l'admission. Enfin, ouais. Voilà. C'est un cône de chez Skunk 2. Ouais. Ensuite, bah, tu as le radiateur et la partie refroidissement. En gros, le radiateur, bon, c'est un Mishimoto en trois rayons. D'origine, il fait ça, en gros, tu vois, donc il est plus large. Et puis, tu as aussi le Calor Stack, j'ai changé. Bon, tu le verras pas, hein, mais, le Calor Stack, il ouvre 10 degrés plus tôt que d'origine. Ouais. Parce que j'avais pas envie de mettre un radiateur d'huile. D'accord. Enfin, du moins, pour le moment, j'avais pas l'idée d'en mettre un. Et du coup, pour éviter ça, je me suis dit, bah, quitte à refaire, tu vois, je vais mettre un truc qui ouvre plus tôt. Pour le moment, j'ai pas eu trop l'occasion de le tester, du coup il fait pas encore très très chaud, tu sais, on n'est pas encore sous des températures vraiment très chaudes, mais c'était pour éviter ça. T'as le collecteur d'échappement, c'est un collecteur de B18C6, donc d'Integra. Juste pour la partie haute, la partie basse, j'ai gardé la descente d'origine pour pas que ça descende trop bas. D'accord. Et puis le carter d'huile, c'est un carter d'huile cloisonné de chez Moroso. Ah oui, je l'avais vu sur ton Insta, la motif. C'est un carter qui permet de déjouer déjà. Et puis c'est un carter qui permet de mettre à peu près environ 1 litre de capacité en 1000 en plus. Ah oui, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis donc le petit reniflard. Tu l'as déplacé donc par rapport à ça. En gros, quand j'ai swap, j'avais pas d'admission qui me permettait de mettre le tube du reniflard. Ouais. Et du coup, bah j'ai, parce que d'origine t'as un tube là qui fait comme ça. Oui. Et du coup, j'ai mis le reniflard pour pas que ça soit à l'air quoi comme ça. D'accord. Et ben voilà. Et donc pour les specs moteurs, tu me disais 1.6 environ 160 chevaux. Et le couple, j'ai oublié. Ouais, mais à peu près dans la même zone. Globalement, c'est un B16 d'origine, quoi. Ouais, voilà. J'ai 2-3 motifs autour, mais est-ce que je vais gagner vraiment avec un cône et un échappement, tu vois? J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Et du coup, pour le poids de la voiture, poids, elle fait 950 kg à peu près. Ok. Donc, t'as un bon ratio quand même. J'ai un bon ratio. Ouais. C'est un peu plus lourd qu'une hatchback. Ouais, donc, bah il y a la malle arrière en gros. Parce que t'as, en gros, par rapport aux hatchbacks, tu rajoutes 20 cm à l'arrière. Ouais, donc enfin, forcément. Un peu moins 20 cm, je sais plus c'est quoi exactement, tu vois, mais en gros, tu rajoutes un peu de longueur à l'arrière. Quoi. L'avant, voilà. C'est littéralement le même. Oui. Ça se voit d'ailleurs. Ça, c'est... Mais l'arrière, il y a un peu plus. Quoi. Ouais. On se retrouve à bord donc de la Civic avec David au volant. Ouais. Donc aujourd'hui, comme il y a beaucoup de bruit, je vous ferai un petit débrief après la vidéo à bord. Je vais surtout vous faire profiter du son et de la conduite. Après, de toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est surtout au niveau de la perf et puis de la maniabilité du châssis. Quoi. Bah, après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, qu'on n'a pas dit tout à l'heure quand on était dehors, c'est que sur la voiture, j'ai retravaillé à peu près tout le châssis. Donc comme
j'ai dit, j'ai changé les trains avant, trains arrière pour des EK4, mais bon, ça c'est pas encore un énorme changement. Je veux dire, c'est juste des fusées et les bras arrière. Le vrai changement, c'est que j'ai des barres anti-roulis plus élevées que d'origine, enfin plus grosses que d'origine de partout, enfin à l'avant, à l'arrière, et j'ai tous les renforts classiques, on va dire, donc barres anti-roulis à proton supérieur et inférieur à l'avant et à l'arrière. Okay. Donc ça se voit, le châssis est un peu rigide. Les combinés sont réglés en dur parce que du coup c'est plus un usage piste que route. Ouais. Mais voilà. Ouais. On a un petit souci technique. Alors, je t'avoue, ça m'était jamais arrivé. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est barré? Bah, la vis. C'est la vis qui s'est dévissée. Alors, attends. Premier débrief, le VTEC et le châssis aussi. Le VTEC, il pousse, il s'arrête jamais. Et le son, la conduite, il y a tout. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà. Les réparations, c'est toujours celle avec un résident. Ouais. De toute façon, là, j'ai pas la vis. Elle a dû se barrer quelque part, donc ouais. Je sais pas où. Ah, merde, alors attends.
saturation, je pense qu'on est bon. J'en peux plus. J'ai même plus de réaction tellement... ouais, non, non. Ça me prend au trip dans le tunnel, là. Vraiment, c'est quelque chose. Le comportement de la voiture, c'est une voiture de circuit. Vraiment, c'est une voiture de circuit. Il est prêt pour le NURB, je pense, à part quelques détails que lui seul connaît. Mais franchement, c'est une dinguerie. Je suis... là, je suis choqué. Là, franchement, c'est la voiture dans laquelle j'ai eu le plus de sensations. Bah, en fait, les sensations, elles viennent essentiellement du VTEC et du son. Et puis, bah, forcément, il y a quand même l'aspect performance. Mais quand même, c'est sensationnel. Bon, on va débriefer vite fait la vidéo. Déjà, je te remercie pour ton passage et puis pour la partie route. On a pu faire 2-3 petits plans extérieurs qui rendront, j'espère, bien. En tout cas, bah moi, niveau sensation, ça a été vraiment plutôt fort. Grâce au VTEC et à l'ambiance de la voiture qui est toute vidée comme ça, évidemment un peu plus extrême. Et puis, niveau châssis, comment tu pourrais la décrire? Parce que tu vois, moi, j'étais peut-être trop préoccupé par le son, les sensations, le fait d'être surpris. Toi qui habites bah, niveau châssis, avant que je fasse 2-3 trucs là encore récemment, vu que c'est une coupée et pas un hatchback comme les EG, etc., c'est un peu traître des fois, tu vois, surtout quand c'est d'origine, après voilà, ouais. C'est normal. Mais en vrai, là maintenant, tu vois, avec tous les modifs que j'ai fait et puis les réglages, bah, je trouve que ça va, ça tient bien la route, dans de très bonnes conditions, forcément, ça tient bien la route. Donc là, voilà, c'était nickel. Après, j'ai pas encore vraiment touché les limites extrêmes pour vraiment dire quelles sont les limites et qu'est-ce qui est vraiment moins bien, tu vois. Je pense que quand même. Voilà, je vais plus sur piste, etc. Mais je pense quand même que au niveau de ça, quand même, entre les coupés et les EG, c'est quand même différent, tu vois. Ouais. Genre, ça a vraiment rien à voir. Genre, en gros, là, tu vois, j'ai le comportement d'une Integra de Wish, tu vois. Oui, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, j'ai à peu près la même longueur qu'une Integra. C'est la même base châssis, je crois, les Integra et les EJ2. Donc j'ai à peu près la même forme qu'une Integra, mais en même temps, ça n'a rien à voir parce que j'ai pas le moteur, j'ai pas la mécanique, j'ai pas les trains avant, j'ai pas les trains arrière, j'ai pas les barres anti-roulis, tu vois. Mm-hmm. Et en même temps, je suis un peu entre une EG et une Integra, tu vois. C'est un peu bizarre, c'est un peu flou au début parce que c'est différent du reste. Mais du coup, je trouve ça cool parce que tu vois, t'as un peu plus de. T'as un peu plus de. De fun ou... Non, pas de fun, comment je pourrais dire? T'es un peu plus. C'est plus exigeant à quoi, Non, c'est pas plus exigeant. Ouais. Exigeant, ça reste une Civic. Tu vois, une Civic, c'est une voiture qui se conduit bien en vrai, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est une voiture qui est pas trop compliquée à conduire. Mmh. Mais il y a plus de challenge, si tu veux, à préparer une coupée qu'une hatchback. Parce que. Alors, une hatchback, c'est trop bien, hein, et t'as quand même beaucoup de choses à voir pour que ça soit propre. Mais c'est beaucoup plus agile, tu vois. Genre, sur une coupée, pour rechercher vraiment de l'agilité à fond, faut quand même revoir 2-3 trucs. Bah, merci pour ton petit débrief. Merci pour ton passage. N'hésitez pas, donc, à partager cette vidéo et puis à vous abonner également. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien.